I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast Season 5, saison 5. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D, et je suis avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Là, je prédis que tu vas me dire que j'ai perdu une gageure. Oui, monsieur, t'as perdu une gageure, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, cher Wrestle Rock Star, mais... j'avais pris un pari avec mon ami Benoît que si tu perdais cette gageure, tu devais t'enfiler une paire de bobettes à la tête pendant une émission entière. Vous voyez que c'est bien des shorts, là. Sont propres, rassurez-vous, mais regardez, je vais tenir parole, regardez. Et voilà, c'est ça. Comment s'est passé ton week-end de WrestleMania, mon Ben? Ben là, je l'écoutais par la suite cette semaine parce que je travaillais. En rediffusé. Ouais, je te dirais, mettons, la première soirée 6 sur 10, puis la deuxième soirée 7,5 sur 10. Ouais. Je trouvais ça. C'est sûr que, tu sais, en tant que tel, on va se le dire, WrestleMania cette année, c'était pas le plus grand des WrestleMania de tous les temps. T'sais, on a eu là, des. T'sais, ça bat pas le 17, là, honnêtement. Là. Non, ça bat pas le 10 non plus. Non. On est loin là, des. Mais t'sais, tout le monde qui disait ah, c'est the greatest WrestleMania of all time. Je serais pas prêt à mettre ma tête sur la bûche pour dire que c'était le meilleur. Il fait partie des bons. Oui, c'était pas le pire. Il fait partie des 5 meilleurs. 5-10 meilleurs. Il y en a eu des plus poches que ça, ça je l'avoue. Oui, c'est ça. Il y en a eu des bien meilleurs. Le 17 était bien meilleur à l'Astrodome, personnellement. Tout à fait, tout à fait. C'est un de mes préférés, c'est le 17. Et puis, la première journée... apparemment qu'il faisait plus frette la première journée que la deuxième. Ben, c'est, ce que j'ai... Yeah, c'est ce que j'ai su. On n'aura pas de nom. À Philadelphie. Un genre de maximum de entre 7 et 10 degrés, donc ça semblait assez froid. Beaucoup de vent aussi. Donc les gens qui étaient juqués un peu plus haut, là, on voyait qu'ils ventaient beaucoup, les drapeaux se faisaient aller. Donc, c'est comme aller voir une game des capitales le 8 septembre. Ça ressemble quasiment okay, à ça. Là, bon. Les gens étaient... j'imagine qu'il devait quand même avoir une certaine chaleur, le fait qu'il était 72 000 personnes. Quand ouais, même, crowd, cette année, là, 72 000 personnes, ça n'a pas à ne pas négliger. Et puis, la WWE a réservé un paquet de surprises, donc on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, la première soirée, mon ami, il suffisait d'ouvrir avec le match simple pour la WWE Women's World Championship entre la championne actuelle et toujours championne Rhea Ripley, qui fait partie de l'élite et qui fait partie aussi de Judgment Day, qu'on va parler plus tard, puisque il s'est passé beaucoup de choses là, dans la deuxième journée. Elle a battu Becky Lynch. Becky Lynch qui n'était pas nécessairement dans un bon état. T'en as pensé quoi de ce combat-là? Ouais, ça paraissait. Elle était pas à 100%. Moi, j'ai mis 5,5 sur 10 le match. J'enlève rien aux deux femmes, ouais. Mais ils ont déjà fait mieux, là. Tout à fait, tout à fait. Puis je sentais que Becky Lynch, c'est ça, elle n'était pas dans son assiette. Puis j'ai lu aussi sur les médias sociaux, Benoît, qu'il semblerait que Becky Lynch souffrait... d'une bonne grippe là, ouais. Depuis une semaine. Fait que, ça peut avoir eu beaucoup d'impact. De là à dire qu'elle a fait autant de mauvaises figures, des fucked up là, en termes de. On va y accorder le bénéfice du doute quand même. Mais c'est, disons que c'est, ça n'a pas été le meilleur combat de Rhea Ripley à WrestleMania, disons-le. Tu sais, Becky, c'était meilleur et tout quand, tu sais, il y a 2 ans, quand elle a perdu contre Bianca Belair, là.
Ça, ça a été mon match préféré de WrestleMania 38, honnêtement. Ben, c'était un méchant bon combat. C'était meilleur que Stephen Curry. Oui, puis tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais les matchs depuis plusieurs années féminins sauvent souvent les cartes. on se souviendra du Royal Rumble. Cette année, honnêtement, personnellement, le match de Bayley, c'était excellent. Mais aussi, le Royal Rumble féminin était meilleur que le... Personnellement, j'ai trouvé qu'il était meilleur que le Royal Rumble masculin. Ça, ouais. Donc, c'est le fun de savoir que la gente féminine ont de plus en plus de place dans un milieu qui était à la base très homme. J'avais même posé la question sur Rick Samassin. Quel Rumble avez-vous le mieux aimé? Oui, oui, puis c'était 115% qui avait dit les femmes. Tout à fait, donc voilà, je vais juste te remettre ta feuille pour tes notes, mon beau Ben. Par la suite, il y a eu le deuxième combat, c'était un ladder match qui était rempli, oui, c'est quoi de le dire, un six-pack. Six-pack tag team. Là, je donne-tu toutes les équipes parce que ça va faire long à dire. Ben, vas-y, mon homme. Bon, Eitan, Down, Under, Austin Theory, Grayson Waller, yes. And Awesome Truth, Miz et R-Truth, qui ont, ben, eux autres, ils ont Miz, puis, R-Truth? Ouais, ils sont champions de Raw. De Raw, exactement. Theory, puis Waller, eux autres, sont champions de SmackDown. De SmackDown. Parce que les deux titres étaient séparés. Il y avait deux paires de titres. Ouais, c'est ça. Donc, t'avais deux fois plus de chances de... ça risque peut-être avec le prochain draft qui s'en vient que les équipes qui sont là en ce moment et qui figurent pour les événements peuvent aussi bien se ramasser d'un côté comme de l'autre. T'sais. Je pense à Demise pourrait se ramasser et R-Truth pourrait se ramasser du côté de SmackDown mais avec les belts de Raw. Ma théorie, c'est que là, ça va faire comme les straps de champion du monde, les straps de champion du monde féminine. Ça va être la WWE Tag Team puis la World Tag Team. Moi, c'est ma théorie. Là. Ça se peut très bien, mon Ben. Dans ce match-là, il y avait Judgment Day, qui était Finn Balor, Damien Priest. Oui. DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Mark the DX, comme on peut dire. Oui. New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods. And New Catch Republic, Pete Dunne and Tyler Bate. Tyler Bate, c'est ça. Les deux British. Là, yes, yes, yes. Ah, j'ai bien aimé. R-Truth était divertissant en bataille. Ben oui, passe où est-ce qu'il était dans le coin et qu'il attendait le tag. Là. Ben, il fait un pin, ça, j'ai trouvé ça. C'était bon quand il a fait les deux flying shoulder blocks et qu'il a fait la passe à John Cena. C'était quand même divertissant. On a bien beau dire ce qu'on veut sur R-Truth. Oui, mais Krim, ça fait près de 15 ans qu'il y a un contrat avec la WWE, quand même assez béton. Là. Il semble faire partie des annales de la WWE après toutes ces années. Il y en a un qui a fait ton finish, Tommaso Ciampa, le Kryptonite Crunch en haut de l'échelle, de manière que tombe avec sa jambe. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé la jambe. Non, c'est sûr. Vous le remarquerez bien, si vous mettez ça au ralenti, c'est quasiment impossible que tu ne te pètes pas la jambe. Ah non, c'est sûr. Tu peux l'enlever, ta bobette. Non, parfait. Je t'ai gagé une émission complète. Super. Donc, ensuite, il y a eu un match qui était vraiment très intéressant entre la. C'est un match par équipe entre Rey Mysterio et Andrade El Idolo, dans le fond, contre le fils de Rey Mysterio, Dominic Mysterio, qui fait partie de Judgment Day, et de Santos Escobar. Vous allez me prendre pour un fou, mais je trouve que c'est le meilleur match de ce soir-là. Il était vraiment bon, puis une chance qu'il était là. Les gars ont livré la marchandise, Andrade ont sauvé la soirée. Andrade est trop hot. Son moonsault à l'extérieur. Il est hot, hein? Ah, oui. J'espère qu'il va avoir une chance au US ou à l'Intercontinental cette année. Je lui souhaite, honnêtement. Mais il a déjà été US dans le passé. Je lui souhaite. Il mérite amplement. C'est sûrement tant qu'à moi, c'est le meilleur match de la soirée. Un match qui m'a particulièrement déçu, malheureusement. On avait des grosses attentes. C'était un match simple qui a duré 11 minutes. Et c'était constitué des deux frères Ouzos qui avaient déjà une rivalité depuis quelques mois. Suite à la Bloodline qui un peu s'est séparée. Ouais, Jimmy interféré sur Jay contre Roman Reigns l'année passée à SummerSlam. Yes, il y avait Sami Zayn aussi qui était impliqué dans toute cette storyline-là. Une storyline qui dure depuis près de 2 ans. Il faut en revenir. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Ça n'a pas de raison d'être. Le pire match, un des pires matchs de WrestleMania, honnêtement. Il y avait ben trop de kicks. Ben, c'était un... Moi, je m'attendais à... C'est un festival de kicks. Je m'attendais, tu sais, Lance Storm contre Jerry Lynn à Anarchy Row. Je m'attendais à un match de même. Là.
finalement, c'était de la. Ben, c'est ça, moi, je m'attendais, tu sais, ça fait des années que les gars luttent ensemble. Que ça va être bon, mais c'est sûr que là, tu sais, on parle de lutteurs puristes. Tu sais, nous, on est vraiment comme plus. Tu sais, on cherche la technique, on voit tous les petits défauts, tout ça. On en a vu de la lutte, on en a mangé. Ben, c'est deux frères. C'est sûr que la chimie est là. Tu sais, on s'attendait à ce que Ben, tu sais, calisse. Il fallait que le combat soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une espèce d'augmentation de puissance, de level, que, tu sais, ça allait commencer un peu plus smooth, puis plus le combat allait avancer, plus il allait avancer dans l'action, dans l'émotion, dans l'intensité, dans la sensation. Dans la sensation. Non, big fail. Non, non, moi, j'ai pas trippé. C'est dommage, parce que ça aurait pu aller encore plus loin. T'sais, tant qu'à mettre un match de même, mettez-le à SmackDown, ce match-là, ou à Raw, puis mettez Andre the Giant Memorial Battle Royale dans le WrestleMania. Tant qu'à mettre un match pourri de même, ben, c'est juste mon opinion. Mais on s'attendait pas à ça. T'sais, on s'attendait à ce que ça... T'sais, j'imagine que même les dirigeants de la WWE devaient se dire, ben... Faut qu'il y ait une suite, faut qu'ils se repongent genre à Backlash ou à Clash of the Castle. Ça va donner même si d'affaire. La chimie, ben, malheureusement, n'est pas là. Ben, en tout cas, c'est... Ouais, ils sont faits pour être en équipe, ils sont pas faits pour être contre. Ben, c'est ça. J'ai l'impression que ça... En tout cas, c'est bien décevant. Okay. Est-ce que se passera-t-il dans l'avenir des Ouzo? Moi, ce que je pense, c'est que Jimmy, le Ouzo bleu... Ben, le heel, dans le fond. Jay, c'est le face, puis le heel, c'est Jimmy. Non, moi, je pense qu'ils vont garder le Jay. L'autre, ils vont... Ils vont s'en garder dehors? Tu penses? Moi, je pense que oui. Ben, ils vont faire d'autres choses avec. Il va peut-être devenir un manager ou je sais pas. Je pense qu'il va, ou il va peut-être prendre un petit break. Là, Ça marchait pas. Non, la chimie n'était pas là. Par la suite. Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi ont battu Damage Control, Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Et garde la note ce que j'ai marqué. Une chance que Bianca était là. Parce que le match n'arrêtait pas grand-chose. C'est Bianca Belair qui a sauvé le match, mon humble avis. Ben oui. Jade Cargill. Hey, en toi et moi, AEW ben, est la meilleure à AEW, sur mon avis. Là, pour un début de WrestleMania, je n'ai pas. Puis tout le monde la voit comme la big star de Storm. Oui, elle est forte, elle est imposante. Mais elle forte, c'est ça. Tu as pensé à Shani Quinn et Basham un peu. Là. Mais je trouve qu'elle n'a pas livré la marchandise pour sa deuxième présence en live. Un autre qui avait la grippe, je gagne. Non, tu sais. On ne peut pas tout le temps avoir la grippe, là, tu sais. Il y en avait. Hein, il y en a qui luttaient avec l'hépatite, là. Bon. c'est ça, t'as rien. Tu n'auras pas de nom. Non. Ensuite, ah, ça, c'est un bon match, hein. Intercontinental Championship. Sami Zayn qui a vaincu Gunther, mes amis. Meilleur combat de la soirée. Ah, moi, j'ai un faible pour le 3 contre 3. Ouais. Le 2 contre 2, je veux dire. Le 2 contre 2, oui. C'était bon quand même, le 2 contre 2. Ouais, ben, le deuxième meilleur match, c'était. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi de ça, c'est toute la storyline de Sami et Gunther, où est-ce que, bon, ben, vous savez tous que l'événement se faisait à Philadelphie. Ils ont monté une storyline un peu comme Rocky, qui allait affronter un Russe, tu sais, mais là, c'était un Allemand. Un Autrichien. C'est un Autrichien. C'est pas un Autrichien, là, c'est un Autrichien. Un Autrichien qui. Puis il y a du chien, il y a pas de ça. Oh, Gunther. Ouais, ben oui. Sais-tu qu'est-ce que je prédirais à Gunther si on l'avait avec nous autres en. Il a été champion comment de jour, soit 666. Ouais. Moi, je me dis, tu vas avoir une gimmick Dark Side, le 666. The Number of the Beast. Ouais, c'est peut-être ça que je prédirais, honnêtement. J'ai hâte de voir l'avenir. J'ai posé la question sur les médias sociaux. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Gunther? Quel sera le futur de Gunther? Puis il y en a beaucoup qui ont répondu World Heavyweight. Ben moi, je pose la question, avec quel strap de champion du monde le verrez-vous le mieux? Il verrait mieux en WWE, je pense. OK. Bon, à date, il y a 3 votes. Ouais. 2 WWE puis 1 World Heavyweight. Il me semble que c'est ça de mémoire. Yes. Vous avez encore le temps de voter, ça dure 24 heures. Tout à fait, tout à fait. Par la suite, il y a eu la fameuse confrontation qui n'était pas, honnêtement, n'était pas nécessaire. Ben, ce combat-là n'était pas nécessaire. Ben, c'est sûr que The Rock voulait avoir son WrestleMania moment. En plus, il est dirigeant dans TKO. Ouais, c'est ça. Mais, ah, le gars est en shape, mais il n'a repardu. Ben oui, c'est normal. T'sais, dans sa field de constante, il est quasiment meilleur. Oh, oui. J'ai pas grand-chose à dire sur ce combat-là. J'ai resté sur mon appétit un peu en me disant c'est quoi qu'ils vont faire la journée d'après. Trop de longueur, moi, je suis sûr que. Ouais, c'est ça. Peut-être que Cody et Seth,
Rollins n'avait pas trop le goût de se donner vu qu'il reluttait le lendemain qu'il voulait donner une crise. Puis Dieu sait qu'ils ont fait des astis de bons matchs. Ah oui. C'est peut-être ça. Là. Puis comme dirait si bien notre ami Jonathan, qu'on salue d'ailleurs. Même chose pour Roman Reigns. Il disait, tu sais, les gars marchaient dans le ring. Ouais, c'était... c'était beaucoup à l'extérieur du ring. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait du miro un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis The Rock, ça va dire à l'arbitre, compte pas parce que sinon, je te fous dehors. Ouais, mais ça, c'est son rôle de heel, de dirigeant. Là. Un peu ça, comme McMahon quand il dirigeait le WWE à l'époque. Exact. 7 avril, deuxième journée de WrestleMania. Bon combat, honnêtement. Ouais. Ils ont ouvert très solide entre le champion de l'époque, Seth Rollins, Seth freaking Rollins, qui a défendu son titre et qui, malheureusement, l'a perdu contre Drew McIntyre. Et il ne faut pas oublier quelque chose, Benoît. Lors de cet affrontement, il y avait une personne spéciale aux abords du ring. Ben, il y avait CM Punk. Exactement. Oui, le rôle de l'annonceur avec son genre d'attelle sur le coude, là, sur le bicep. Puis qu'est-ce qui s'est passé durant Il a enlevé l'attelle et il a assommé McIntyre. Yes. Mais tant qu'à moi, le match, c'est 7.5. C'était pas le meilleur, mais c'était quand même bon. Mais juste le fait que Damien Priest a été... moi, j'ai fusionné les deux, ça a fait 8 sur 10. C'était excellent. Ah, c'était malade, ça. Puis, notre moment mémorable... Premier portoricain. Yes, premier portoricain à avoir été champion heavyweight de la WWF depuis 50 ans. On se souviendra que Pedro Morales avait eu le championnat à l'époque. Donc, ça faisait 50 ans qu'un portoricain n'avait pas eu le titre, un titre majeur de la WWF. Donc, ben, félicitations. Il le mérite amplement. Puis d'ailleurs, il y avait un super de beau costume avec le masque. Là, il y a du monde qui tripe pas. Incroyable. Pour vrai, j'ai pas aimé le costume à Finn Balor. Il avait l'air d'une patate chaude. Là, d'un sac de patates, là, un peu. Là. Moi, je l'aurais fait revenir en démon. Ça aurait été encore plus. Ouais, mais ça, c'est pas moi qui décide. Mais, par contre, Damien Priest, ça l'a upscalé. J'ai hâte de voir les prochaines étapes de Damien Priest, chers amis. Le second affrontement, ben le deuxième et demi affrontement, si tu peux appeler ça un affrontement, le Money in the Bank, là, c'est The Pride qui est composé de Bobby Lashley, Angelo Dawkins et Montez Ford. Ben, voyons, c'est quoi le nom, eux autres? Street Profits. Yeah, Street Profits. Excusez-moi, j'avais un blanc de mémoire. Il était avec B-Fab qui ont défait Final Testament, Karrion Kross, Akam et Razor, Others of Pain, qui était avec Scarlett, Paul Ellering, par pinfall. Yes, et puis c'était une stipulation spéciale, donc c'était un Philadelphia Street Fight match. Et l'arbitre spécial, une belle surprise ce soir-là, Bobby Dudley, qui a été l'arbitre spécial du combat, et on se souviendra que Bobby Dudley, la veille, avait lutté à Battleground avec... Onita, je pense. Oh, ça ferait genre check. Ouais, il me semble. Fait que, tu sais, j'étais content de le voir parce que c'est là que je me rends compte que vraiment la fameuse porte interdite est de plus en plus ouverte depuis la nouvelle ère de Triple H. Donc, c'est vraiment nice. Tu sais, on se souviendra, tu sais, je ne veux pas revenir encore une fois sur Royal Rumble, mais tu sais, il y a eu quand même Jordynne Grace qui a fait son apparition, qui est championne féminine de la TNA qui était là, donc on voit qu'il y a déjà des belles améliorations, donc voilà. Et puis c'est un combat qui était plus ou moins intéressant. C'était un beau finish, mais c'est sûr que là, il y a un fuck-up avec la table parce qu'elle avait pété avant la première table, il a fallu qu'elle ressorte une autre table. Ouais, ouais. C'était correct, mais puis Orders of Pain ne m'ont pas impressionné bien. Bon, on les a quasiment pas vus. On dirait qu'ils ont resté dans la corde 10 minutes en dehors du ring. Ben, c'est ce qui est arrivé, puis s'il vous plaît, WWE... Donner une chance à Scarlett Bordeaux, c'est une fille qui sait lutter. Ouais. Elle est bonne, elle est belle, elle est capable, elle a un look. Karrion Kross aussi, ça serait le fun qu'il ait plus d'exposure. Puis ouais, c'est intercontinental, ce serait pas cool. Oui, quand même. Peut-être qu'il va être drafté. Ben, je le souhaite. Là, il est à SmackDown présentement. Ouais, me semble. Il me semble. Que... Oui, c'est sûr. Ouais. Je pense que oui. Oui. Un match qui m'a vraiment pas fait triper, c'est LA Knight contre AJ Styles. Non, mais j'ai trouvé ça plutôt. Moi, honnêtement, je pars déjà avec. C'est vrai, toi, LA Knight. Deux balles, une prise, là. J'aime pas LA Knight. Donc, déjà là, en partant, j'aime pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il reflète. Les gens tripent dessus. Regarde, c'est comme toi, puis DMD. Quand je dis « dit », ça te fait capoter. Ben moi, c'est ça. Moi, LA Knight, c'est ça. Mais je l'aime comme lutteuse. Je ne l'haïs pas. Parce que quand elle fait DMD, Chris Camelard, c'est juste ça. Mais avez-vous remarqué une chose?
je checkais ça, mais LA Knight, là, je trouve qu'il ressemble à Hugh Glory. Tu sais l'acteur qui fait le Dr. House? Oui. Trouvez-vous qu'il ressemble? Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Ah, il y a vraiment des airs, ça. Yes. D'ailleurs, on est disponible sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube juste ici en bas. Ça défile, là, c'est super simple. Vous tapez YouTube Wrestle Rock Podcast et puis vous faites des petits pouces, vous mettez des commentaires, vous partagez nos vidéos en masse. Ça serait vraiment cool. Donc, merci, chers auditeurs. On continue. C'est le championnat États-Unis. Logan Paul qui était champion avec High Show Speed. Moi, je l'appelle son souffle-douleur parce qu'il m'a toujours. C'est le Marty Jannetty de Shawn Michaels. Il appelle quasiment le tube à pâte à dents, en tout cas. Non, mais ça, c'est la manière qui. Qui a battu Kevin Owens et Randy Orton by pinfall. C'était bon, mais on voyait que les deux faces étaient ensemble contre le Hill. Ça avait plus ça un deux. Ouais, c'était spécial. Puis tu sais, man, le tube de pâte à dents que tu parlais, il a mangé une crise de volée. Ouais, je sais. Hey, man, on riait tellement dans le salon. Il y a 18-19 ans, il n'est pas vieux, t'es. Mais tu sais, quand il a fait le RKO sur la table, puis la table n'a pas pété. Ah oui, c'était drôle en crime, là. Pauvre petit. Pas la première fois qu'il a pété ça, kid. Non, pauvre petit kid. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs tables qui n'ont pas pété ou qui ont pété en avance. Puis tu sais, comme tu disais, tu sais. En tout cas, méchante affaire. C'était quand même bien. Moi, j'ai... Oui, c'était un bon combat. Puis ce qui était le fun aussi, là, tu sais, tantôt, on a parlé de Sami Zayn et du combat de Gunther, mais juste avant que Sami rentre. Il y a eu un beau, motivation speech de Kevin Owens et vice-versa pour le match de... C'est pour ça moi, j'étais certain à quelque part que quand il y a eu ça, que Owens allait gagner et qu'il allait se réunir un US et un intercontinental. Mais bon. Mais en même temps, je trouve ça intéressant que Owens n'ait pas tout de suite le titre. Ça permet d'avoir vraiment le spotlight sur Sami Zayn pour l'instant. Puis Logan Paul. De toute façon, Kevin Owens a été deux, si ce n'est pas trois fois champion. Fait que, tu sais, sans vouloir dire que c'était comme pas moins important, mais tu sais, dans la hiérarchie de la WWE, ben, qu'est-ce que pour le marketing puis les feuds puis tout ça, je pense que c'était beaucoup plus important de couper à streak à Gunther, puis que les gens se souviennent plus de ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'ils ne fassent pas les deux en même temps, parce que des fois, ça devient comme incohérent, puis les gens se souviennent peut-être plus de un ou de l'autre, puis tout ça, puis une prend plus de place qu'un autre, ou whatever. Mais là, tu sais, j'ai trouvé ça le fun, qui donne vraiment le temps à Sami. Tu sais, qui rend à César ce qui est à César. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Hypothèse qui peut arriver, c'est que Owen soit en maudit à présent parce qu'il a gagné puis il n'a pas gagné. Là, il fait un turn sur Sami Zayn puis là, il gagne le strap intercontinental. Une belle field pour SummerSlam. Hypothèse. Kevin Owens contre Sami Zayn. Ça, j'ai pris direct peut-être ça à Owens. Un beau cadeau pour les gens. Owens en avant de nous autres, là, dans un petit écran. Là. Yes. C'est probablement ça la prédiction que j'ai prédirais. Peut-être un autre championnat du monde, ce que je pourrais prédire. Yes. Il mériterait, ça, c'est sûr. Par la suite... Championnat Women's de la WWE. Oui. Bayley qui a battu Io Sky, que j'ai adoré ce match-là. Excellent. Hey, les moonsaults d'Io Sky sont-ils beaux? Elle est bonne. Ah ouais, m'impressionne. Elle est vraiment bonne, honnêtement. Je ne pensais pas bonne dame. Je ne l'ai pas vu souvent lutter, mais elle m'impressionne. Bayley, une vétérante qui a beaucoup de WrestleMania dans le corps, qui a fait partie de l'élite des femmes au cadre de la WWE, honnêtement, elle le mérite amplement avec sa blessure qu'il y a eu dans le passé ou qu'elle a eu un long rétablissement. Tout ça, j'étais content de savoir qu'elle a gagné le titre de championnat féminine contre Io Sky. Et sa fameuse chanson, la chanson de Face. Hey, Bayley, ooh, I wanna know. Oh. T'entendais pas ça? Ça crie ça. Elle. Ah ouais. On lui dit Hey Baby, ils disent Hey Bayley. Ah ouais, j'ai pas entendu. T'as pas remarqué? Non, j'ai pas entendu. Comme fou, ah ouais. Ça rentre. Ben. À NXT, ils chantaient ça aussi. Yes. Moi, c'est du marketing, pas du marketing. Ben, du marketing, oui. Ben. C'est de l'entertaining. Ben ouais, ben oui, c'est ça. Ça fait penser un petit peu à Québec quand ils criaient, man, Joy puis Joy, là. Y2J, puis c'était 2J qui se battaient. Là. Y2J, You Fuck J. En tout cas. Ou à Lévis, quand il regrette un fou d'une chef. Non, c'est des vieilles histoires. Bon, OK. OK, là. Le main event tant entendu entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Bloodline Rules match. Intéressant. Moi, j'ai adoré.
finir un WrestleMania, c'était ça. Il fallait mettre ça. Là. Des bonnes, des belles surprises. Finish the story, comme ils disent. Oh, ils ont finish the story. C'est un méchant temps, les amis. Cody Rhodes qui en a donné plein les yeux à tout le monde avec une intervention de Solo Sikoa. Ah, ben là, il y a eu les Usos. Yes. Il y a eu Solo Sikoa, il y a eu The Rock, il y a eu John Cena, il y a eu Seth Rollins, il y a eu Undertaker. Fait que ça fait un beau paquet de grosses vedettes qui viennent interférer. Mais ça a valu le coup. Hey, personne ne s'attendait à ce que Undertaker vienne finir. Puis ça a l'air que c'est une demande d'Undertaker. Il voulait faire une apparition dans WrestleMania 40. Ouais. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Ah, puis, c'est le fun de voir tout l'engouement en ce moment qu'il y a avec Cody, la famille Rhodes, notre ami Mike Rimondi, d'ailleurs, que vous pouvez voir sur nos anciennes, mais il est fou, là, comme de la merde. Il est un fan de Dusty Rhodes. Ouais, il a été très populaire, d'ailleurs, au WrestleMania Access. Là, ouais, mais là, c'est World qui appelle à cette heure. Oui. Il appelle ça World. Yes. J'ai écouté un podcast que je n'aimerais pas, puis il parle de yes, ça. Yes, yes, qu'on salue, d'ailleurs. Oh, oui, on salue les boys. Yes. Et puis, ben, c'est ça. Ça a été un beau week-end. Bien ouais, rempli, ben, là. Ben oui. J'ai vu des pires. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais il semblerait qu'en retombée de marchandises, The Rock, ce week-end de WrestleMania, aurait vendu pour 9 millions. Ça me surprend pas. Ouais. Ça aurait été assez pour payer pratiquement son cachet. Genre, pour les événements. Ben, c'est peut-être ça aussi, tu sais. Y avait-tu un salaire de boss ou un salaire de lutteur? Ben, tu veux parler qu'il y avait un peu de salaire quand il luttait, tu veux parler? Oui, c'est ça, c'est ce que je partais pour dire. The Rock, je sais pas, là. Il s'est rendu différent, là, maintenant. S'il y avait juste un salaire de dirigeant, puis il a fait 9 millions, comme tu dis, Ah, c'est sûr qu'il doit avoir un 7-8% qui va à son agent, puis blablabla. Mais j'aimerais ça qu'on aille un peu dans les théories. Là, tu apportes cette théorie-là. J'apporte ça, moi. Oui, oui, oui. Puis, j'avais une autre théorie aussi, puis j'aimerais ça que vous l'écriviez en commentaire. Croyez-vous que CM Punk pourrait éventuellement faire partie de la Bloodline? Pas de la Bloodline, mais de la Judgment Day, excusez-moi. Ouais, ça se pourrait. Oui. Avec ce qui est arrivé. En tout cas, il a donné la chance à Damon Priest de venir cacher. C'était-tu un simple hasard? Sinon, on dirait, je sais pas, on a l'impression que CM Punk, c'était un heel qui a fait un turn sur McIntyre qui était heel, mais on dirait que McIntyre passe pour le face. Mais à la fin, CM Punk vient célébrer avec Cody Rhodes. Il semblait face, mais il agit en heel sur McIntyre, mais il agit comme en... Twinner, on ouais, c'est ça. CM Punk, il se passe beaucoup de choses là, avec CM Punk ces temps-ci. Là. Vous avez dû voir à AEW cette semaine qu'il y a eu les vidéos controversées. Ouais, Will Ospreay qui a envoyé quasiment... Jack Perry et CM Punk, ça passé. C'était en tout cas très, très, très ordinaire, mais bon. Il voulait absolument jouer au petit bébé et envoyer ça sur le net. Puis que ça... Il voulait que des gens comme nous autres en parlent comme on fait maintenant. Parlez-en bien ou parlez-en mal, mais parlez-en. Tu sais, ton garagiste qui est Mark, là, ben, tu vois, il va parler de ça s'il change ton tailleur. Exact. Ta dentiste qui te fait plomber à chaque trip, salut, on va parler de ça. Tu sais, c'est ça. Là, tu voulais parler des petites mauvaises nouvelles qu'il y a eu plus tôt dans la semaine. Deux oui. grands qui nous ont quittés, malheureusement. Yes! Ben, je ne sais pas si tu te souviens, dans un certain WrestleMania que je me souviens 21. Pas, le 21 Los Angeles. À Los Angeles. Aki Bono avait affronté le Big Show dans un sumo match. Et puis, on a appris hier que Aki Bono est décédé à l'âge de 50. Aki Bono Toru, son vrai nom? Oui, c'est ça. Genre d'Hawaiian. Ouais, ouais. Le premier non-japonais à avoir remporté le Yokozuna, là, ouais, si je peux me permettre, là, si je ne m'abuse. Yes. Et puis, il y a eu le... Ouais. Le... joueur de football et vedette controversée, O.J. Simpson. Yes, qui est décédé aussi, malheureusement. 76 ans. Yes. Et puis, il y a eu aussi... c'était l'anniversaire de décès de Buzz Mahoney aussi. Oui. Qui a eu... Oui, c'est le plus matin. Yes. Puis d'ailleurs, chers amis, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. C'est des rumeurs en ce moment, puisqu'on parle de Buzz Mahoney, mais le CW pourrait peut-être revenir sur Netflix. Ouais, ben là, il mettrait les vieux shows, ben ça serait une nouvelle ICW. Ça serait une nouvelle ICW. Avec Triple H, puis Paul Heyman, ça n'a que près. Ouais. On en avait discuté un peu de ça. Ouais, c'est ça. Il semblerait, en tout cas, c'est à titre de rumeur en ce moment. Mais j'aimerais ça.
que la ECW serait dirigée par Paul Heyman himself. La vraie ECW. La vraie ECW, qui aurait vraiment comme un droit de veto. Là. Mais moi, je pense que ça va mieux se réaliser que à l'ère Vince McMahon. Parce que là, c'est Triple H. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai l'impression que c'est aussi l'une des raisons pourquoi Paul Heyman a été introduit au Temple de la Renommée. C'est peut-être une espèce de donnant-donnant, un lien de confiance, tout ça. Puis qui fait Philadelphie en... aussi, là. ECW, c'était où? Philadelphie, là. Mais ça aurait été cool qu'il l'annonce, là. Ah, mais il veut garder la surprise, peut-être. Il veut pas faire de faux espoirs aussi. Octobre. La WWE va être disponible sur Netflix en mois d'octobre. Mois d'octobre? Il me semble que c'était janvier 2025. Ça a changé. Ben, il me semble que c'était au mois d'octobre. À moins que je sois complètement d'accord. Il me semble que c'était janvier 2025. Je sais plus. C'est pas que je veux t'ostiner. Mais il me semble que c'est ça. Raison, janvier 2025. Excusez-moi, c'est moi qui ai donné la patate. Je pense que c'était autre chose. Non, vous avez tout à fait raison. C'est à toi de mettre tes bobettes sur la truc. C'est ça. Fait que c'est ça. Je ne les aurai pas longtemps, par exemple. Ouais. Elle commence à avoir chaud avec ça. Ouais, c'est ça, elle va les enlever. Là. Ça pue. Tu mets des bobettes, mais tu ne suis pas de l'arrêt, tu suis de la taille. C'est ça. Ah ouais. Exact. Fait que c'est bon. À part ça, y avait-tu autre chose dans l'actualité qui nous a interpellés récemment? Non, pas vraiment. Hein? Dans l'actualité, non. Ben là, on a tout out à Mike Tyson versus Jake Paul. Puis ça s'en vient très prochainement. C'est quoi la date déjà? Mois de mai, hein, c'est ça. Je me souviens plus, Jake Paul. Là, ça doit être marqué. Il me semble que c'est mois de mai. Je... 20 juillet. Ah, yes. Ça se fait à Vegas, je m'amuse. Ça se peut-tu ou ben c'est moi qui ai des patates, non? Arlington. Texas. Ah ouais, le stade des Cowboys. Yes. Où est-ce que lieu WrestleMania 32 et 38? Yes. Ah, il va avoir 100 000 personnes là-dedans. C'est disponible sur Netflix, d'ailleurs. Le fight va être disponible sur Netflix. Le... J'ai vraiment très hâte de voir ça. On va faire du cash en maudit après ça. Tout à fait. Ben c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour pas mal des nouvelles récentes. Là. Ben, il y a Raw à Montréal, malheureusement, on ne pourra pas y aller, mais Raw à Montréal la semaine prochaine. Yes. Sami Zayn contre Chad Gable pour l'Intercontinental. Ouais, ça, c'est un peu quelque chose que je comprends pas parce qu'il était comme ultra genre proche. C'est comme son entraîneur, son mentor. Il veut donner sa chance. Ouais, mais ça marche pas, c'est deux faces. Bon, mais ça peut être un. Ça peut être fort pareil. Je sais. Non, non, c'est ça, ça prend un heel et un face, mais imagine la haute voltige qu'il va avoir là-dedans. C'est quoi qui se passe si Sami Zayn perd sa belt à Montréal? Non, ça c'est lettre, là. J'espère qu'il annonce ça. C'est ça qui va arriver, même. Ça serait triste. Là. Ils vont péter des chars. On va faire comme un émeute comme la Coupe 93. Là. Comme l'émeute du Stade Olympique. J'espère qu'il annonce. Guns N' Roses. Il a brûlé un char exposé. Hey, non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Faites pas ça, les amis. Là. C'est certain, certain. Il y a eu une éclipse aussi. Ça allait affecter plein de monde. Hey, je mangeais une poutine au Stratos, Colin. Ah ouais? Ah ouais? Ah, mais j'ai vu, il faisait sombre. Là. C'était comme un peu comme quand il mouille le gris. Là. Ouais, ouais. Ça a duré à peu près 15-20 minutes. C'est revenu soleil. C'est revenu soleil. Super. Soleil. Yes. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette belle émission de 30, presque 35 minutes, mes amis. 33 minutes, le numéro Patrick Roy, je parlais des Canadiens. Exact. Alors, merci à tous et on se revoit très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.